Je m'appelle Aurélie Valette, j'ai 33 ans et j'ai créé Mille Pastels. Le café Poussette de Narbonne, c'est un espace où on peut venir tranquillement en étant parent et laisser profiter nos enfants, jouer dans les espaces jeux, pouvoir allaiter tranquillement avec des ateliers mensuels et un espace boutique. Je suis maman de deux enfants, donc expérience personnelle. Quand on est enceinte, on imagine toute sa grossesse avec un bébé, c'est agréable et tout ça, mais quand on a le bébé, en fait, on se rend compte qu'on s'isole, on doit transporter beaucoup de choses, on doit tout prévoir, être très organisé et les lieux sont pas souvent accueillants au niveau des enfants. Le passage à Valley Poussette, c'est compliqué, chaises hautes, il n'y en a pas tout le temps et les espaces de jeu, c'est rare. J'ai d'abord commencé l'espace boutique. J'ai fait ça sur Internet pendant quelques mois et au final sur Narbonne, on me demandait tout le temps est-ce qu'on peut venir chercher les produits dans une boutique. Donc j'ai ouvert cette boutique dans le centre de Narbonne. Et encore là, après les témoignages, quand les mamans venaient à la boutique, elles restaient presque une heure. Comment il fait pour les dents et toi, comment ça faisait pour le sommeil, nanana. Donc je me suis dit, il leur faut un lieu d'échange, de partage. Et au final, le café Poussette, je me suis dit, après 3 ans de boutique, il faut que je le fasse. Pour monter Mille Pastels, j'ai eu l'aide de la région, du Grand Narbonne, de Narbonne et de la BGE. Ça m'apporte le réseau, l'aide financière, le local et au niveau des formations, j'ai un suivi régulier. J'avais tout calculé à l'ouverture de la boutique pour que vraiment je sois pile poil dans ma trésor, sauf que je n'avais pas prévu assez de roulement, donc pas de salaire pendant quelques années. Et depuis le café Poussette, je suis arrivée avec toutes mes ressources pour comme réouvrir quelque chose, donc j'ai plus anticipé. Donc là, pour l'instant, il n'y a aucune difficulté. Sur Facebook et Instagram, des publications quasiment tous les jours pour pas se faire oublier. Des instants de vie avec les enfants côté café, les nouveautés qui arrivent du côté boutique, les événements pour les ateliers, les inscriptions, et puis je fais des sondages. J'ai créé un groupe de mamans aussi, enfin de parents. S'il n'y a pas que les mamans, il y a les papas aussi. Papa, maman, Narbonne et alentour, donc on peut discuter de tous les sujets, médical, le sommeil. Voilà, ça c'est à part de la boutique, il n'y a aucun côté commercial dessus. Un conseil à donner, être bien entouré et se lancer en prenant les précautions quand même parce que ça paraît très beau, ça l'est, mais il faut vraiment faire attention quand même. En fait, on me dit oh, c'est trop bien ce que tu as fait de monter le café Poussette, j'aimerais faire ça, peut-être sur Béziers et tout. C'est pas rien, c'est vraiment de l'investissement personnel. De l'investissement financier. Puis en fait, les gens, ils voient la vente, le service, mais après, quand la boutique ferme, ça continue de travailler, les réseaux sociaux, ça s'enrichit, recevoir les commandes, passer les commandes, répondre aux mails. Avec les deux enfants, c'est difficile, hein.